Mark McCormick. Il ne manquait plus que ce fantôme du passé. C'est un nom qui rappelle des souvenirs plutôt désagréables, c'est un fait. Mais si Kane a trouvé ça au fond du bassin, il faut bien envisager que notre mort, ce soit lui. Il ne s'agit peut-être que d'une fâcheuse coïncidence, non? Peut-être. Mais vu le mal qu'on a à mettre un nom sur ce cadavre, on ne peut écarter aucune hypothèse. Du moins, pas tant qu'on aura aussi peu d'indices. Mais ça ne tient pas vraiment la route. Ce bassin est un vrai dépotoir. Le courant rejette tout dedans. Mark aurait pu perdre ça en allant se baigner le long des côtes. Ça ne veut pas dire qu'il y soit mort. Je sais. Mais avoue qu'il est curieux que tout nous ramène toujours au bassin du hangar à bateau. Bon, de toute façon, on est condamné à ne faire que des suppositions. On ne pourra pas avoir de certitude tant qu'on n'aura pas retrouvé le crâne. Un corps sans nom, un meurtre sans corps, avoue qu'on patauge allègrement. Tu suggères quoi ? Organiser une chasse au trésor. Bonsoir. 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 Ce n'est pas une heure pour déranger les gens, mais c'était allumé. Qu'est-ce que tu as vu, chérie ? Ce sont nos voisins. Bonsoir, voisin. Qu'est-ce qui vous amène à une heure aussi avancée ? J'ai un service à demander à Julia, c'est urgent. Oui, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'on peut vous emprunter les clés du bureau du procureur une petite heure ? Mais pourquoi faire ? Mieux vaut que vous ignoriez pourquoi. On peut allumer, tu crois ? Non, surtout pas. Si le veilleur de nuit passe, il va nous repérer. C'est vrai, mais par où commencer ? On commence par essayer de se mettre au niveau de Kiss et de penser comme lui, d'accord ? Aucun être normal n'y arriverait. Oui, je sais, mais si tu étais procureur et que tu veuilles te débarrasser d'un crâne encombrant, où le cacherais-tu ? Oh, ne te fais pas d'illusions. Kiss a l'esprit tellement tortueux qu'on n'arrivera à rien comme ça. On y passera la nuit. D'ailleurs, c'est peut-être même pas ici. C'est vrai, mais ne sois pas défaitiste. Tu fouilles par là et moi par là et après on voit. Mm-hmm. Intéressant. Psychologie et sexualité. La vie est l'œuvre du marquis de Sade, sadomasochiste. Je me demande à quel club de lecture il appartient. Au moins, on sait que c'est bien son bureau. Il n'y a rien ici, juste quelques bouquins édifiants. Et de ton côté ? Rien non plus. Faudrait peut-être fouiller ces tiroirs ? Ah oui, je sais. Il n'y a rien sur ces étagères. Ce n'est pas un petit objet, il faut de la place pour planquer un crâne, après tout. Attends, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Mais ça ne s'ouvre pas, c'est un globe. Il y a quelque chose là-dedans. Chut. Qu'est-ce que c'est ? Du whisky. Non, non. Oh, non, regarde ça. Non, c'est pas croyable. Eh bien. Et maintenant, tu as peut-être raison, en fin de compte. On devrait aller fouiller chez lui. Il non, n'a pas attends, dû le cacher ici. Il ne va pas partir. Je me demande si on a cherché où il fallait. Ça ne sert à rien de s'entêter. Où est passée la vis ? Qu'est-ce que tu fais ? Peut-être que c'est sous notre nez. A. B. C. C'est comme crâne, Watson.